Monsieur Abdouheb Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, tous les moyens sont déployés pour booster une économie productive indépendante des hydrocarbures. Les temps sont durs. L'Algérie a impérativement besoin des entrées en devises. Le Premier ministre ne cesse de le rappeler. Une course contre la montre est enclenchée pour lutter contre les verrous de l'administration, encourager le financement bancaire. Les banques appelaient à plus de souplesse. Le changement survenu aujourd'hui, monsieur Ziani, à la tête de la Banque d'Algérie, va-t-il booster la modernisation de notre système bancaire? Est-ce que vous y croyez? Bien sûr, j'y crois parce que déjà la Banque d'Algérie était toujours un peu, elle terrorisait un peu les exportateurs du fait qu'elle a des lois, elle a des systèmes qui sont draconiens et on n'a pas cessé d'appeler la Banque d'Algérie de un peu relâcher cette tension qui est entre elle et l'exportation. Et il y a eu beaucoup de recommandations que nous avons faites depuis très longs mois. On n'a pas arrêté de les faire. Et j'espère qu'elles seront prises. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, un paiement qui était à 120 jours, il a été augmenté à plus de 200 jours. Mais là, on exige un peu les 365 jours, comme il se fait ailleurs. Aussi, la Banque d'Algérie ne doit pas un peu faire peur aux entreprises à chaque fois que... Vous savez, un exportateur, à chaque fois qu'il reçoit un courrier de la Banque d'Algérie, il a déjà peur, il ne refera plus d'exportation. C'est normal. La Banque d'Algérie, elle est là pour veiller sur tout ce qui est loi et tout ce qui est donc devise. Mais il faut être très élastique là-dessus. Et je pense qu'à la tête de ce changement, nous pensons que le nouveau dirigeant va un peu assouplir toutes les mesures qui sont favorables pour l'entreprise. Mais assouplir les mesures, lesquelles exactement? Est-ce qu'il faudrait revoir la loi sur la monnaie et les crédits pour le transfert des devises? Bien sûr qu'il faut revoir toute la loi. Depuis très longtemps, nous y travaillons dessus. Toutes les recommandations que nous avons faites depuis, je pense que plus de 5 ans, dans les tripartites, nous avons toujours demandé à la Banque d'Algérie donc, de revoir un peu et justement de s'ajuster par rapport à l'entreprise. Aujourd'hui, l'opportunité, c'est quoi? C'est que nous sommes obligés de nous retourner vers l'exportation et nous avons besoin d'accompagnement. Par exemple, nous avons toujours soutenu donc, des banques publiques ou privées algériennes qui nous accompagnent à l'exportation. Ça veut dire présentes dans les pays où exportent beaucoup d'Algériens. Et ça, il nous le faut. C'est très important. Allouer aux chefs d'entreprise ou aux dirigeants des entreprises qui vont aller exporter, qui vont aller dans les pays, qui vont aller faire de la prospection. On a besoin de la banque pour qu'elle puisse nous donner plus de devises. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui va aller draguer une entreprise africaine ou européenne, il a besoin de devises. Donc, depuis très longtemps, nous avons demandé quand même qu'il y a ce qu'on appelle, on peut enlever des devises à la sortie. On ne va pas aller au square pour prendre des devises pour aller draguer une entreprise africaine. Donc, il nous faut un accompagnement. Mais par rapport à cet accompagnement, déjà, M. Lucal, qui est actuellement le gouverneur de la Banque d'Algérie, il était à la tête de la BEA, annonçait déjà que des banques algériennes vont être représentées à l'étranger, notamment la BEA, la Banque extérieure d'Algérie. La BEA, elle est la bienvenue. Donc, nous avons souhaité déjà une représentation. Mais est-ce qu'il faudrait aller plus vite dans l'application de ces mesures aujourd'hui? Il faut aller très, très déjà vite. Déjà annoncé. Nous les connaissons. Non, nous les connaissons, mais il faut aller très, très vite. Aujourd'hui, on ne va pas aller ouvrir on va pas jeter la BEA partout dans les pays où on ne travaille pas. Nous allons prendre dans les pays de la CEDEAO, comme le Sénégal, qui regroupe pas mal de pays tout autour, une petite représentation d'une banque algérienne publique de la BEA serait la bienvenue. Serait le soutien total, parce qu'aujourd'hui, exporter vers l'Afrique, c'est aussi rapatrier les devises à partir de ce pays. Donc, si on a notre banque et si on a un client qui se trouve dans cette région, notre banque est présente, on peut rapatrier nos devises. Le problème, c'est de rapatrier ces devises très vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peine à les ramener dans notre pays, surtout avec les pays africains. C'est des payeurs, c'est pas des mauvais payeurs, mais ils sont lents. Et si on avait notre banque, on serait plus rapide. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui, par exemple, pour les délais de rapatriement, vous avez soulevé cette question par rapport à l'exportation, qui est de 180 jours aujourd'hui. Il y a la commission, qui est au niveau du ministère du Commerce, qui est en train d'envisager d'aller vers éventuellement 365 jours. C'est ça. Est-ce qu'il faudrait les appliquer rapidement, ces mesures, pour accompagner? Tous les pays. On l'a dit, on a besoin de devises. Oui, on a besoin de devises. Quand on dit 365 jours, ça veut pas dire qu'on ne va pas rapatrier nos devises, on va attendre 365 jours pour rentrer nos devises. Ça veut dire qu'on a un délai de rapatriement. Aujourd'hui, moi j'ai fait des exportations depuis très longtemps sur l'Afrique. La majorité du temps,
nous avons un peu dépassé les 68 jours. Mais il faut tomber sur l'infraction avec la Banque d'Algérie, il faut quand même donner le délai s'il y a un pépin avec l'importateur dans le pays d'origine. C'est pour ça qu'on demande un peu de délai pour aller rapatrier nos devises. Sinon le reste, ça fonctionne très bien. On rapatrie nos devises en moins de 90 jours. Donc, ce n'est pas un problème. Mais les 365 jours, c'est une mesure, justement, d'accompagner le chef d'entreprise pour qu'il n'ait pas peur s'il y a un pépin sur l'exportation. Mais que représentent aujourd'hui les exportations par rapport à la masse globale? Très peu d'exportations s'effectuent actuellement. Très peu. Est-ce que c'est en raison essentielle des financements et de la banque, de l'accompagnement? Non, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est pas seulement... Il faut pas dire que c'est la banque et le financement uniquement. Il faut dire que les entreprises algériennes sont frileuses à l'exportation. Et aujourd'hui, justement, il y a un peu le signal de dire à toutes les entreprises, il faut faire de l'exportation, il faut créer des entreprises championnes qui font de l'exportation, qui sont dans les premiers rangs. C'est celles-là qu'il faut encourager. Et il faut donner le modèle, il faut un peu aider tous les gens qui sont à l'intérieur de notre pays vers l'exportation. Aujourd'hui, on a besoin de relever ce défi. On a le potentiel ? Nous avons le potentiel. Dans certaines filières ? Dans certaines filières, je dirais que vous savez que dans l'agroalimentaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je citerai un cas seulement, le sel. Nous sommes un pays qui regorge de sel et il y a beaucoup des pays africains qui consomment énormément de sel. Donc, conditionner du sel, exporter du sel. Nous avons été lors de la tripartite à Biskra avec le Premier ministre. Nous avons visité des entreprises à Biskra. Nous avons visité une entreprise qui fait du sel. Qui fait du sel consolidé pour faire les traitements, qui fait du sodium, qui fait beaucoup de choses, c'est ces entreprises-là qui font encourager à l'exportation. Elles peuvent facilement exporter et rapatrier leurs devises très rapidement, parce que vraiment, il y a une grande demande dans les pays africains. Mais par rapport justement à certaines filières qui sont en train d'être identifiées au niveau du commerce, par exemple, celle des boissons. Oui, les boissons, nous sommes vraiment champions là-dessus parce que nous avons une multitude de boissons en Algérie. Nous avons réussi, il y a beaucoup d'entreprises, nous avons plus de 1000 entreprises qui sont... Il y a un surplus de production. Nous sommes en surcapacité, je crois, de 700%. Donc, il faut absolument aller à l'exportation. D'ailleurs, lors de la FIDAC au niveau du Sénégal, j'étais présent, mon entreprise et toutes les entreprises algériennes. Donc, il y avait beaucoup d'entreprises de boissons qui étaient là et ils ont signé quelques marchés. Et nous espérons donc destiner un peu toute cette filière vers l'exportation parce qu'il y a le packaging qui répond aux normes, il y a la qualité, il y a, vous savez que nous sommes sur un continent où on aime le sucre, donc ce sujet-là sur le sucre. On va en parler dans un petit moment. Bien sûr, donc le sucre, justement, les pays africains sont à peu près au même niveau que l'Algérie. Donc on arrive facilement à rentrer dans ces pays-là du fait aussi que le sucre est cher chez eux. Donc les boissons sont bien sucrées chez nous, elles sont bien bienvenues en Afrique à l'exportation. Alors on parle de financement bancaire et les banques et leur implication dans l'économie pour booster les exportations et aussi une économie productive aux hydrocarbures, puisque nous avons besoin actuellement, vu la situation que traverse le pays, d'entrer en devises et de diversifier notre économie. Autre question que vous avez déjà soulevée, est-ce qu'elle est résolue aujourd'hui? Je vais vous la poser. Vous avez soulevé la question de la prédomiciliation bancaire pour les actions d'exportation. Est-ce que ce problème a été réglé ou pas encore aujourd'hui, pas encore. Monsieur Alors, Zidanis? Je veux en parler là-dessus parce que vraiment, nous sommes en train de créer des freins à l'entreprise productrice. Ça veut dire qu'une une entreprise algérienne qui produit ne doit pas être éligible à passer par ce système-là de pré-domiciliation. Une perte énorme. De temps. Et en plus de ça, celles qui exportent sont aussi doublement pénalisées parce qu'elles sont obligées d'importer des matières premières, elles font de la pré-domiciliation et ensuite elles produisent, elles font de la trituration sur place et elles vont faire encore de l'exportation. Elles sont obligées encore une fois de passer par une pré-domiciliation pour l'exportation. Pour une pré-domiciliation, ça dure entre une semaine et 10 jours. Avant d'avoir l'accord, et ensuite vous avez l'accord, vous allez domicilier votre facture définitive, et ça prend 3 semaines à 1 mois. Donc imaginez que, aujourd'hui encore, j'ai parlé dans ce plateau sur le Cyrus Tari, nous sommes en train, encore une fois, de sucrer les gens qui font le transport maritime et les Cyrus Tari de nos conteneurs. Voilà, on donne de l'argent à des gens qui n'ont rien à faire. Ils viennent, ils ramènent des conteneurs, allez faire la prédomiciliation, c'est 2 semaines, 3 semaines, et payer les Cyrus Tari encore une fois. On le fait d'un côté pour économiser, on enrichit d'autres à cause d'un système comme ça. Alors je dirais que la prédomiciliation, elle n'est pas exigible pour des gens qui sont producteurs. C'est anormal, je ne pense pas que... Pour la matière première. Pour la matière première, bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait revoir, selon moi, vous, je dis que la prime d'omniscience, elle doit être annulée, tout simplement pour tous les gens qui produisent en Algérie, qui importent des matières premières. Mais l'imposer pour les importateurs. L'imposer pour tout ce qui est... donc. C'est-à-dire pour la revente en l'état. La revente en l'état, bien sûr. La revente en l'état, l'importation des produits finis, etc. Ça, c'est normal que l'État a le droit de regard, de faire de la prédomiciliation, de quantifier, etc. Mais pas pour les matières premières. Alors, la création d'un ministère délégué chargé de l'économie numérique et de la modernisation des systèmes financiers va-t-il précipiter la mise en place des moyens modernes de paiement via la carte de paiement et l'Internet? Nous accusons un énorme retard dans ce domaine-là. Nous avons plus de 15 ans de retard dans ce système-là. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on voyait que les pompes à essence, on les a rendues obligatoires de mettre un appareil avec carte, etc. Elles sont là, mais personne ne met la main à la poche pour tirer sa carte et payer rien que l'essence avec cette carte. C'est comme ça qu'on va, essayer de régler un peu une partie de l'informel, parce que tout ce qui est carte, tout ce qui est donc système interbancaire, doit être hyper moderne pour permettre donc à la finance d'aller surfer d'une entreprise à une autre. Justement, il faut absolument moderniser, il faut doter encore une fois. Je dis, nous avons des banques magnifiques, les banques publiques, algériennes ou privées, elles sont là. Mais les systèmes sont très très lents et l'entreprise peine donc à aller à la même vitesse. Mais certains disent que les entreprises sont frileuses quant à la mise en place de ces nouveaux modèles de paiement par rapport à la question de transparence des transactions qui sont effectuées. C'est pour échapper au fisc. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que les entreprises algériennes, c'est des entreprises, celles qui ont pignon sur rue, s'inscrivent dans ce nouveau système qu'il faut moderniser. Celles qui sont dans le marché parallèle, bien sûr qu'elles sont frileuses. Nous aujourd'hui, nous sommes tous pour améliorer notre système bancaire et aller très très vite, justement, pour juste... les entreprises qui sont honnêtes, se battent justement contre le marché parallèle. Donc il faut absolument que nous rentrons, on s'inscrit dans un système droit et rapide. Alors, on avait reçu ici, dans ce plateau, M. Mouartassim Boudiaf, qui est actuellement en charge de cette question et qui était, bien sûr, à la tête de la JIE, le groupement d'intérêt économique, qui parlait de la monétique et qui disait que tous ces moyens modernes vont être généralisés courant 2016. Vous y croyez également? J'y crois pas, là. C'est peut-être un miracle, je ne sais pas, parce que depuis le temps... Mais ils ont quand même travaillé, ils ont mis en place des plateformes. Ils ont travaillé, mais il faudrait que tout le monde s'inscrit, tout le monde doit s'y mettre, donc c'est très important, de l'entreprise à la banque, de l'assurance, tout le monde doit s'y mettre, et ça c'est en 2016, c'est, je sais pas, je suis sceptique. Cet organe a été créé quand même le 2 juin 2014. Oui, depuis 2014 je suis au courant, mais je dis qu'il lui faut un peu 2 ans pour arriver à une vitesse moyenne. Mais actuellement, il y a des transactions qui sont effectuées via Internet. Nous avons par exemple, si on se réfère à certains indicateurs, ces opérations sont évaluées à peu près en chiffres à près de 19 000 transactions qui ont été quand même effectuées via Internet. Si on les chiffre, ils ne représentent pas beaucoup. Si on les chiffre, les 19 000 ne représentent même pas. C'est un début pour commencer, pour généraliser. C'est très bien. Et rattraper le retard, parce qu'il est énorme. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes tout à fait, je suis tout à fait d'accord, mais je dis que le chiffre n'est pas énorme. Voilà. Par rapport au nombre de transactions. Oui. Alors, autre question qui est d'actualité en ce moment, par rapport à ce système bancaire, une représentation à l'étranger pour accompagner les exportateurs, c'est important également. Et être dans les pays où il y a du potentiel exportable. Qu'est-ce que vous appelez représentation? C'est les banques, c'est-à-dire qui vont ouvrir des filiales à l'étranger, des représentations bancaires à l'étranger. Les banques, pour l'exportation, je vous ai dit, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qu'on le souhaite depuis très longtemps. Il faut absolument, on ne veut pas aller dans tous les pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a... Que les transferts se fassent aussi par les banques étrangères. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui... si on trace un peu un rapatriement de devises, quand on fait une exportation, par exemple, en Afrique, on passe par 3 ou 4 banques différentes internationales. Donc, on passe par une banque européenne, ensuite, elle passe par une autre banque qui connaît l'Algérie, ensuite, elle doit prendre son assurance, etc. Et on perd de l'argent et on perd du temps. Si on avait, comme on a cité tout à l'heure, une BEA au niveau de Dakar, pour regrouper un peu la CDAO des pays africains, il y en a plein, eh bien, on fera un rapatriement en moins de 10 jours. Alors, on passe par des banques européennes et étrangères, mais pour le transport, on passe par des armateurs étrangers également. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous avons déstructuré toute notre... je l'ai dit, moi, je suis pour un fanion algérien. La CNAN, je souhaite que les compagnies publiques comme CNAN Air Algérie soient fortes
à l'exportation et aider justement les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de ça, ça nous coûte très cher d'exporter sans notre fanion Knal. Monsieur Abdelhabziani, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, mais malheureusement, il n'y aura pas les 5 minutes des questions des auditeurs. Facebook est verrouillé. Merci. Alors, monsieur Abdelhabziani, autre question d'actualité. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que pour booster l'économie et la croissance, il faut miser énormément sur l'agroalimentaire? Le potentiel existe, il est important chez nous. Il est important, il existe. Il faut vraiment aujourd'hui le, je dirais, regarder dans le rétroviseur, exporter vers l'Afrique, c'est quelque chose, c'est une manne pour nous. L'Afrique importe à peu près 1 300 milliards de dollars par an pour tout ce qui est donc consommation sur le continent. Donc si on arrive à avoir un tout petit chiffre, on pourrait rentrer, s'inscrire à l'intérieur et on pourrait faire beaucoup d'heureux en Algérie et en Afrique. Pourquoi vous misez essentiellement sur l'Afrique? Est-ce que c'est important de se retrouver en Afrique? Le Bien sûr. potentiel existe? C'est très important économiquement et politiquement. L'Algérie a réglé énormément de problèmes en Afrique, comme ils le font dans tous les grands pays. Quand on règle un problème, on installe des entreprises de leur pays. Aujourd'hui, nous sommes très aimés en Afrique. Il faut absolument que les entreprises algériennes rentrent en Afrique parce qu'ils nous attendent. Nous avons aidé ces Africains et ils veulent absolument commercer avec nous. Il y a des opérations réussies, par exemple, vous réussissez vos opérations d'exportation vers l'Afrique? Toutes mes opérations que j'ai faites moi-même sur l'Afrique, nous les avons réussies. J'ai constaté au niveau de la FIDAC la dernière fois au Sénégal qu'il y a eu quelques entreprises qui étaient installées là, qu'ils ont vendu toutes leurs marchandises, qu'ils soient des marchandises de l'agroalimentaire, des marchandises de la mécanique. Saïdal a signé deux contrats avec donc le Sénégal, qui n'était pas très important. Je crois que chaque contrat était de 2,3 millions de dollars. C'était très important. Donc moi, aujourd'hui, aller vers l'Afrique, c'est quelque chose de bien. Nous sommes aimés. Nous sommes sur notre continent. On fait ce qu'on veut. Et l'Algérie dessert pas mal de destinations. C'est très important. Il faudrait ouvrir d'autres destinations. Il faut offrir d'autres destinations justement, là, il faut travailler ensemble. Il ne faut pas ouvrir des destinations qui ne nous intéressent pas. Ouvrir des destinations où on a quelques Algériens qui habitent sur place. Au Sénégal, il y a beaucoup d'Algériens qui vivent, qui travaillent. Donc, il y a énormément. Il faut trouver l'opportunité entre le commerce et un peu les Algériens qui veulent travailler vers les pays comme le Gabon, comme surtout dans la CEDEAO, la francophonie. Là, on arrive pratiquement à nous entendre avec ces pays-là. Mais vers ces pays, qu'est-ce qu'on exporte le mieux aujourd'hui? C'est le couscous, le concentré de tomates, les boissons sucrées. Qu'est-ce qui s'exporte le mieux Tout dans l'agroalimentaire? Dans l'agroalimentaire, tout s'exporte. Pas le couscous parce qu'ils n'ont pas d'habitude pour manger le couscous, mais les pâtes sont très bien exportées. Le concentré de tomate est très demandé là-bas. Toutes les boissons, toutes les confitures, il y a énormément de choses. Il y a les dattes qui sont très appréciées aussi vers l'exportation. D'ailleurs, j'étais étonné de voir qu'il y a un Algérien qui a une représentation directement là-bas pour les dattes et c'est très bien. Donc, ils vendent ces dattes directement à travers ce comptoir. D'ailleurs, il faut revenir un peu sur l'idée des comptoirs. La représentation des banques, c'est bien, mais la représentation d'un comptoir algérien fixe dans un pays comme je citerai toujours le Sénégal, parce que c'est quelque chose le Sénégal a un port, donc il peut accueillir n'importe quel conteneur, il peut dispatcher vers les autres pays qui sont enclavés, qui n'ont pas de mer. Donc c'est très important d'aller vers des pays comme ça, où l'Algérie peut avoir. C'est une suggestion que nous avons faite au niveau de l'Anexal, dont j'en fais partie. Donc d'ouvrir une représentation. Et cette représentation, elle n'est pas gratuite. C'est l'État qui va l'ouvrir, mais nous allons nous inscrire pour louer des espaces, pour faire une représentation permanente au niveau de ces représentations. Alors, toutes ces propositions ont été formulées au niveau de la commission qui existe actuellement, au niveau du ministère du Commerce, puisqu'elle a identifié tous les problèmes, elle essaye de lever les verrous, mais parallèlement à ça, elle est en train d'enclencher un autre travail, c'est identifier le potentiel exportable par filière. Exactement, c'est un travail qui est en train de faire. D'ailleurs, je tiens à travers vos ondes à saluer le ministre du Commerce parce que qui a ouvert une cellule d'écoute et lui-même préside cette cellule. Donc, sous l'égide du Premier ministre. Bien sûr. Et donc, nous nous réunissons à chaque fois qu'il y a une demande d'un opérateur pour dire que j'ai un problème à l'exportation, etc. Et nous sommes très bien écoutés. Et justement, on a demandé au ministre du Commerce d'être un peu l'interface avec tous les autres ministères parce que nous avons besoin des autres ministères pour faire de l'exportation. Mais
comme s'il s'agit de l'exportation, donc c'est le ministre du Commerce qui est notre représentant direct. Donc je le salue à cette occasion. Oui, mais dans le domaine agricole, il y a aussi des produits qui ont été exportés vers d'autres destinations que bien sûr l'Afrique, entre autres l'Afrique, par exemple, vers l'Asie, les pays du Moyen-Orient, comme par exemple la pomme de terre, les cerises algériennes, les fraises également, ces produits frais. Oui. Si on en a réussi une, on peut en réussir plein. Quand j'ai dit le ministre du Commerce, c'est lui la passerelle entre les autres ministères. Hein. Ça veut dire que c'est l'agriculture, l'agroalimentaire et tout ce qui se passe. Mais dans le domaine agricole, est-ce que la production est suffisante? Elle est suffisante, mais nous accusons un manque quant à la transformation agricole sur place pour l'exportation. Par exemple, les fraises, les produits frais, c'est très bien. Mais les produits surgelés et conservés dans les fûts aseptiques pour l'industrie, ça serait le bienvenu. Donc aujourd'hui, transformer plus nos fraises parce qu'elles sont en train de pourrir. Et si on arrive à les transformer, nous avons un grand marché. Les fruits rouges en Algérie, ils existent. On peut les exporter vers l'Europe et vers l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans l'agroalimentaire, par exemple? Le potentiel qu'on peut encore développer davantage? Dans l'agroalimentaire, c'est transformer tout ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui... Le lait en poudre? Le lait en poudre, nous ne sommes pas autosuffisants là-dessus. Le lait en poudre... On peut commencer déjà, pour le surplus de production, au lieu de le jeter, à commencer à mettre en place des usines qui pourraient aller vers la transformation de ce lait en poudre. Oui, mais nous n'avons pas assez de capacité justement pour transformer. Il y aurait des bassins laitiers, deux bassins laitiers qui peuvent accueillir un peu, à peu près moins de 300 tonnes par an, mais l'investissement est lourd pour faire ça. Et donc, le lait, d'abord, il faut le laisser rentrer dans sa croissance totale. Il faut dépasser les 65% de production nationale pour penser un peu autour de séchage quant au lait cru. Donc, on peine un peu à monter dans cette cadence. Nous sommes un peu entre 35 et 36. On espère arriver l'année prochaine à 45% de notre autosuffisance. Et il faut aller, parce qu'aujourd'hui, la poudre de lait coûte toujours cher. Donc, elle coûtera encore cher. Mais on a importé moins cette année. C'est très bien, on a importé moins, parce que aussi il faut dire que le lait cru est monté, et aujourd'hui je dirais toujours que les subventions nord-sud c'est bien, mais sud-nord, il faut absolument les rendre exigibles. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de lait dans le sud qu'il faudrait qu'il remonte, mais le transport n'est pas subventionné dans l'autre inverse. Donc il faut absolument faire cette subvention, pas seulement pour le lait, mais pour les produits grains, donc le maïs, le blé, etc. On en a beaucoup vers le sud, la tomate, la pomme de terre, tous les fruits. Donc il faut absolument encourager la subvention du transport du sud vers le nord. Parce qu'aujourd'hui, on le fait du nord vers le sud. Mais on ne le fait pas dans l'inverse. Aujourd'hui, remonter toute notre agriculture qui se trouve dans le sud nous permettrait de faire de l'exportation, de la transformation, et ça nous fera un chiffre important. Alors, d'autres transformations, d'autres créneaux éventuellement à explorer? Vous m'avez parlé la dernière fois de la transformation par rapport à certains produits, par exemple le noyau d'abricot qu'on jette et qu'on pourrait récupérer pour transformer en arôme. Oui, énormément. Le noyau d'abricot aujourd'hui coûte très très cher. Vous savez que toutes les usines, actuellement nous sommes en pleine période de cueil. Donc on est en train de faire de la cueillette et la conservation, donc de l'abricot, de la confiture. Moi-même je consomme cette purée d'abricot que nous fabriquons en Algérie, mais justement le noyau est jeté pour pas récupérer. Voilà, et vous savez qu'à l'intérieur de ce noyau, quand on le casse, cette petite merveille coûte 10 euros le kilo. Donc quand on peut donner un travail à des jeunes qui peuvent travailler dans ce domaine, on fait des crèmes. Faire de la récupération, hein, ça ramène beaucoup d'argent. Eh bien, ça va me donner à réfléchir quand je mangerai mon abricot. Mais autres filières également qui ont beaucoup de potentiel. L'huile d'olive aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je dis tout à l'heure le sud, j'ai été dans le sud à maintes fois et nous avons énormément de superficies qui sont plantées d'olive et d'huile d'olive. Elwed. Qui est en train de fabriquer l'huile d'olive. L'huile d'olive et les olives à manger. Parce qu'aujourd'hui, l'olive à manger, elle devient quand même une denrée de plus en plus rare. Vous savez, quand je vais en Afrique, on a des amis, on a tissé de l'amitié avec des Africains. Quand on dit, est-ce que vous voulez qu'on vous ramène quelque chose? Toujours. Pouvez nous ramener de l'huile d'olive? Pouvez nous ramener des olives, des dattes, des oranges, des mandarines? C'est ce qu'on fait. Rien que la nature, si on arrive à revenir sur le troc, et nous, quand on part là-bas, les Algériens ici nous disent, n'oubliez pas de ramener le beurre de karité, le miel,
Et tout ça existe. Donc, si on faisait un troc rien qu'à par rapport à la nature... Il existe le troc. Non, justement. Rapport à la situation actuelle, c'est un peu plus délicat. Alors, je veux revenir sur le troc. J'ouvre cette parenthèse parce que dans le passé, j'ai fait du troc. J'ai fait de l'exportation dans les années 87 et nous avons fait du troc. Nous avons fait vers les pays de l'Est. Nous avons envoyé nos produits algériens et nous avons ramassé des produits qui existaient chez eux. C'était dans le cadre du troc. Aujourd'hui, le troc n'existe pas chez nous. À cause des valeurs, parce qu'aujourd'hui, il faut revenir sur les valeurs. Il faut faire, vous vous rappelez la dernière émission, nous avons dit qu'il faut faire un contrat de confiance, de compétence et de confiance entre l'entreprise et l'État. Parce que c'est très important, la confiance. Aujourd'hui, quand on va faire du troc, ça se base uniquement sur la confiance. Si vous avez une entreprise algérienne qui fait de l'exportation et que vous lui faites confiance, elle va ramener des produits en équivalent. Vous n'allez pas lui dire « Ah, là, vous avez surfacturé ou là, vous avez sous-facturé ». C'est un contrat de confiance, donc laissez les entreprises travailler. Aujourd'hui, on importe du beurre de cacao, on importe de la fève de cacao. Et ça se trouve en Afrique, et l'huile peut faire le troc pour ça, ou les dattes peuvent faire ça. Donc c'est très important, c'est un contrat de confiance. Alors, un contrat de confiance, autre travail qui est en train d'être engagé au niveau du ministère du Commerce, dans lequel vous êtes associé, c'est réduire le taux de sucre dans les aliments. On en a beaucoup parlé, on a dit que les Algériens se shootaient au sucre. Là, aujourd'hui, on est en train de mettre en place une commission pour examiner cette question, pour réduire le niveau du sucre et réviser, bien sûr, le décret des années 70 qui considérait que le sucre était un complément alimentaire. On n'en a plus besoin aujourd'hui, donc il faut faire des choses. Bien sûr. Vous avez engagé toute une étude là-dessus. Dans les années 97, je crois, j'ai fait une étude sur le sucre. Jusqu'à aujourd'hui, elle est très, très de bonne actualité. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le ministère du Commerce, c'est vrai qu'il a réagi à ça, et c'est très bien. Mais je dirais qu'il faut d'abord régler une petite histoire interministérielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit rendre l'appareil de l'État, c'est l'interministériel, ça veut dire quand on associe 3-4 ministères pour prendre une décision. Donc c'est toujours des décisions interministérielles. Aujourd'hui, si le ministère du Commerce prend une décision, il faudrait que les autres ministères le suivent. Et donc il nous faut une décision interministérielle. Et pour faire une décision interministérielle, il faut qu'on réagisse vite. Combien il faut réduire de façon pratique, puisque vous avez engagé l'étude, par rapport à nos aliments, notamment dans les sucres? Donc mon étude à moi, aujourd'hui, toutes les boissons, tous les biscuits, tous les yaourts, etc., tournent entre 135 grammes par litre, par kilo ou par litre, jusqu'à 145 grammes, parce que nous aimons le sucre. En fait, les neurones que nous avons fait... On s'est habitué. Nos neurones se sont habitués, donc il faut absolument commencer. Pour faire tremper, j'ai fait mon étude, pour tremper notre cerveau et nos neurones, il faut réduire de chaque année 5 grammes de sucre jusqu'à arriver à 110 grammes de sucre par an. Et c'est impératif de le mettre en vigueur en ce moment. Bien sûr, il faut absolument. Monsieur Abdelwahab Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Saharam danek, saha siyamek. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.